à la suite de Delia. Merci, Guy, d'être avec nous ce soir pour la présentation de ton nouveau livre, paru aux éditions Stylus, donc « La fortune des deux hasards ». Cet intitulé est suivi d'un sous-titre qui, dans une sorte de hiatus, intrigue, éveille notre curiosité. Essai sur la méthode psychanalytique. En psychanalyse, pardon. Comment passe-t-on de l'un à l'autre? De la question de la fortune, bonne ou mauvaise, de la chance et du hasard, à celle de la méthode en psychanalyse. Dans la psychopathologie de la vie quotidienne, Freud déclare « Je crois au hasard extérieur, réel, mais je ne crois pas au hasard intérieur, psychique. C'est le contraire du superstitieux. » Cette remarque de Freud ouvre ton livre. À partir de là, le hasard se divise en deux. Il en constitue une ligne de partage, il le traverse. Guy commence à parler du hasard qui vient du dehors, du hasard auquel le joueur a affaire. Le joueur au sens du gambler, celui qui mise et parie, distinct en anglais du player, qui d'ailleurs a donné fair play. Non sans avoir pris connaissance de la littérature existante, dont la littérature analytique sur cette question, Guy est amené à préciser ce qui lui apparaît déterminant, ce qui, tel un démon, aiguillonne le joueur, à savoir un rapport particulier au hasard, où il s'agit non seulement de s'y confronter, de s'y exposer, mais de l'affronter, ceci afin de tenter de s'en rendre maître. Tentative vouée immanquablement à l'échec, qui peut devenir désespérée pour autant qu'elle se heurte à un impossible et, comme dit le poète, qu'un coup de dé jamais n'abolira le hasard. Mais alors, ne pourrait-on dire, et c'est une question, que le joueur invétéré, celui chez qui le jeu est devenu une passion, une addiction, que ce joueur-là, en deçà de son souhait de réduire le hasard, d'en venir à bout, en deçà sans doute aussi de l'appât du gain, aussi en jeu, ne l'oublions pas, ne pourrait-on dire que ce joueur-là, donc, c'est quelque part qu'il court à sa perte. Fasciné par cette chose, dite ici le hasard, qui, dans son bon ou mauvais vouloir, exerce sur lui une sorte de gouvernance sous le signe de l'arbitraire. La passion du jeu n'est-elle pas, dans la répétition, tout à la fois l'expression d'une certaine emprise de la chose, das Ding, une manière de s'y livrer, mais aussi de tenter de s'en dégager. C'est ainsi que l'on peut entendre la place faite ici à la jouissance associée à la pulsion de mort. Une pulsion de mort dont tu parles en termes très freudiens. En tant que force d'inertie, répétition et régression, qui néanmoins apparaît très proche de cette définition, entre autres, que Lacan donne du réel, ce qui revient toujours à la même place. Et là, quand on sait quelle responsabilité tu as assumée en tant que chef de service en psychiatrie de 1991 à 2017, soit rien de moins que 16 ans, on peut sans doute te faire ce crédit que ce que tu dis à ce propos se fonde sur une longue expérience de terrain, à partir de laquelle, d'ailleurs, tu publiais en 2010 un autre livre intitulé « Quelle politique pour la folie ?» En une
une décennie, toutefois, l'accent mis sur la clinique s'est déplacé. On est passé du cadre psychiatrique à la méthode analytique. Une méthode que tu interroges et déplies avec soin, en prenant ton temps, dans un travail à la fois d'énonciation et de réflexion, où l'on découvre avec bonheur des formulations bien trouvées, très justes, au plus près de la pratique. Ce retour sur la spécificité de la méthode analytique évoque ce passage d'un texte de Lacan, connu sous le nom de radiophonie, qui est la transcription d'une série d'entretiens qui eurent lieu au début des années 70, je crois que c'était pour la radio belge, et que l'on peut lire dans un des numéros de la revue Silly 7, et où Lacan déclarait, sans détour, que l'analyste est, je cite, au moins deux, celui qui a des effets et celui qui, ses effets, les théorise. Débute ici ce qui peut être considéré comme une nouvelle donne, une seconde chance ou un second tour pour qui, aux prises avec la passion du jeu, avec ce qu'elle peut comporter de mortifère, s'adresse à un analyste et se soumet autant que possible à la règle fondamentale de l'association libre, acceptant a priori de faire place à ce qui se présente de façon fortuite, imprévue, sans crier gare. Ce que Freud désigne en parlant des Einfälle, je crois que c'est Einfälle au pluriel, hein, littéralement ce qui tombe. On peut ainsi considérer que ce que l'on pourrait appeler ici le jeu analytique, non seulement ne redoute pas le hasard, ne cherche pas à le réduire, à l'asservir, mais qu'au contraire, il est dans sa règle de lui accorder un rôle privilégié, de le traiter en partenaire, Guy utilise ce terme, partenaire. Pour faire image, le rôle du hasard pourrait être comparé à celui de la case vide qui, dans ce jeu de notre enfance, dit le taquet ou le pouce-pouce, lui permet effectivement d'avancer. La case vide en question jouant un rôle essentiel dans le jeu des lettres, dans leur mouvement et remaniement. On pense ici au mouvement de l'analyse, à son processus, où, aux côtés de l'association libre, du transfert et de la scansion des séances, tu proposes, Guy, sous le nom du hasard, de considérer comme décisif le rôle de cette place vide assurant le jeu du désir. Tu soutiens ainsi que le jeu du hasard et du non-hasard, allant en sens inverse mais se conjuguant, les deux hasards, font partie intégrante de la méthode analytique. Peut-être pourrais-tu revenir sur ce point. Partie intégrante de la méthode analytique, entendons à intégrer, notamment sur le mode de l'introjection, et tu y insistes, à intégrer, à rapatrier, c'est aussi le terme que tu emploies, à rapatrier dans la dimension subjective. Oui, mais tout de même, c'est dans l'espace subjectif. Oui, non enfin, c'est la cause, sinon ça va. Oui, enfin, de la cause objective aussi à la cause. Toute cause, c'est-à-dire l'originalité de la psychanalyse. Par rapport à tout, vous pourriez parler un petit peu plus fort. Oui. L'originalité, je dis à Annick avant qu'elle termine son papier, c'est justement, c'est rapatrier la cause, c'est-à-dire c'est pas la faute de l'autre. Voilà. C'est jamais la faute, c'est jamais la projection. Oui. Et par contre, grâce à Ferenczi, il y a introjection de la méthode. Ce qui est quelque chose de tout à fait probant. La méthode analytique, ce que nous pratiquons, chacun à notre façon bien sûr, eh bien, il y a des effets qui ne peuvent être appréciés qu'avec l'introjection. Ils agissent en nous.
par la pratique, par la répétition des séances. Je te laisse terminer. Et ça, ça me paraît très important. Oui, et qui implique un passage au symbolique, cette introjection. Non, c'est l'intro. Enfin, si tu veux, oui, il y a toujours du symbolique, mais c'est l'introjection de la méthode en tant qu'elle a des effets. Oui. Et après, il va falloir que je vous explique quelle méthode Freud voulait. Parce que Freud voulait à la fois qu'il y ait du hasard et à la fois qu'il n'y en ait pas. Mmh. C'est pour ça qu'il y a deux hasards. Voilà, tu vas nous expliquer comment tu vois la façon dont ça se tricote. C'est ça. Alors, je termine. Ça se tricoter là le hasard et le non-hasard. Ceci afin, et c'est un point essentiel de ton propos, afin de contrer la pulsion de mort. Hein, je rapproche spontanément de la façon dont Lacan, dans la troisième, nous invite à contrer le réel. Oui, ça peut être ça. Donc ici, contrer la pulsion de mort et sa jouissance que tu rapproches de ce que Freud appelle la bouillie originaire. Tu places ainsi résolument le processus analytique du côté de la vie. Ceci pour autant que l'engagement du sujet dans l'analyse conduit cette pulsion létale et la jouissance qui l'accompagne à faire un détour par le symbolique. Détour où progressivement le symbolique peut se substituer au diabolique. Au démoniaque, dont parle Freud dans Au-delà du principe de plaisir, peut séparer les signifiants traumatiques, son expression, de la jouissance à laquelle ils adhèrent, les désengluer, ces signifiants, les libérer, les remettre en mouvement, dans le mouvement du désir. Le désir est ainsi extrait d'une jouissance évidée, où du vide a été créé, mais un vide supportable, assumable, car circonscrit, entouré de bords, ceux qui ont été façonnés par l'acte analytique. Le vide n'est plus celui d'un gouffre où s'abîme le joueur livré à sa passion. Ce vide est opératoire, et d'ailleurs, n'est-ce pas cette place-là que l'analyste a à tenir ? Maintenir, soutenu par ce que Lacan a nommé le désir du psychanalyste. L'analyste crée ainsi un vide à l'intérieur de la jouissance inhérente aux symptômes. Elle y crée du jeu. Jeu, certes, avec les signifiants, et notamment grâce à l'équivoque et toujours plus ou moins sa connotation sexuelle, qui permet avec tact de mobiliser le rapport du sujet à son symptôme. À la suite notamment de Freud, tu insistes sur cette notion de tact. Le symptôme du sujet, en effet, loin de se réduire à la pathologie, n'est-il pas ce à quoi il tient le plus, ce qui lui a permis, enfant, de tenir le coup sous l'effet et même la pression du réel. Son symptôme désigne en quelque sorte la solution qu'il a trouvée, tant bien que mal. Une solution qui, au fil du temps, s'avère foireuse, inadaptée, en se retournant contre lui. C'est ce que Freud a appelé le retour du refoulé. Mais tu montres bien que l'analyse n'est pas une panacée. Et ça, j'ai trouvé que c'était très intéressant. Qu'elle se heurte à des impasses de l'ordre du réel, structurel, telle la néothénie. Mais tu donnes d'autres exemples. La néothénie, donc, c'est-à-dire la prématuration de la naissance, la dépendance du nourrisson. L'analyse ne peut pas tout, et elle a à en tenir compte. Mais, par la grâce du transfert, elle appelle à une mise en jeu des signifiants du sujet, et aussi par là
crée du jeu. Un espace où le désir peut se faufiler et le sujet, désormais, se déplacer, avancer. D'où le rôle de Gon, dis-tu, joué par l'analyste, Gon d'une porte par où l'inconscient s'ouvre et se ferme. C'est le gon, c'est que l'analyste, il est entre le hasard qu'il y a et le hasard qu'il n'y a pas. Oui, oui. Donc il a une position, c'est donc dans la méthode, il a une position dont il peut apprécier l'opportunité. À certains moments, c'est l'hospitalité qui domine. Et de toute façon, l'analyse accueille tout propos, le plus extravagant comme le plus banal. Bon, l'analyse accueille tout propos. Et d'ailleurs, l'analyste laisse faire le côté là où il n'y a pas de hasard, c'est-à-dire l'inconscient. Et en fait, moi, j'interprète très peu, quasiment pas. Parce que c'est à l'analysant de se saisir de son expérience du divan et de constater que peut-être, en effet, il a dit ceci parce que ça fait écho à quelque chose en lui. Donc c'est lui qui interprète, il ou elle, évidemment. Donc, si veut le gon, et c'est pour moi très important, c'est pour ça que je me permets d'intervenir, parce que c'est une façon de faire entre le hasard qu'il y a, qui est en fait tout propos de l'analysant. Alors on me dira, mais le propos de l'analysant, il n'est pas dû au hasard, puisque s'il dit ça, c'est que sans doute... Bon. Oui, mais oui. On peut toujours dire ça. Mais il faut faire une place dans l'analyse au hasard de ce qui vient. Sinon, on rate l'hospitalité. Et cet accueil a des effets en tant que tel. Donc, peu importe si ça a des raisons ou pas des raisons, et qu'on peut toujours trouver pourquoi on dit ceci ou cela, c'est le fait que l'analyse, dans sa position, accueille ce qui se dit. Et laisse ensuite l'analysant interpréter lui-même ce qu'il a éprouvé dans la séance. Parce que, bon, après, voilà, il y a l'après-coup. Oui, oui, tu as... Des formulations très proches du... Et même, tu en parles, tu utilises l'expression « lâcher prise hein, », le « lâcher prise ». Évidemment, il faut arriver... Alors là aussi, je reprends juste sur un point. Parce qu'en fait, le but, justement, j'ai parlé de banalité, il y a des signifiants, ça tu n'en as pas du tout parlé, mais il y a des signifiants traumatiques pour tout un chacun. Ils sont tellement traumatiques... que parfois, si on est psychotique ou si on a une tendance à la glossolalie, donc à jouir de sonorités qui en fait se sont déposées en nous. Mais moi aussi, ça m'arrive de dire des conneries dans ma salle de bain, je disais. Parce que les sonorités qu'on a entendues, elles ont des effets. Chez Artaud, c'était vraiment patent. Bon, mais maintenant, dans le courant des analyses quotidiennes, il y a évidemment des signifiants traumatiques. Et il va falloir les rendre à la banalité. Parce qu'il faut que ça rentre dans le flux du discours et que finalement, c'est un travail qui est pour moi très intéressant. Parce que tant que le signifiant est traumatique, il insiste et il pousse à la répétition, donc la pulsion de mort. Donc il faut arriver à les désactiver, les désamorcer, pour que la banalité s'installe. Et après tout, une analyse peut se terminer dans une banalité affligeante. Mais il faut que ça arrive à ça. Oui, enfin, j'avais fait rapprochement entre le gond, la porte qui ouvre et se ferme, et la nasse dont parle Lacan. C'est pour ça que j'ai parlé de l'inconscient. Mais c'est autre chose, la nasse. Bon, je crois que j'avais bien entendu cette position intermédiaire. C'est un travail de nouage en quelque sorte, hein, pourrait dire, ou en tout cas de mise en relation entre le hasard qu'il y a et le hasard qu'il n'y a pas, et à cette position intermédiaire, peut-être ça s'associe la question de la traduction que tu mets un peu pas loin d'être en lieu et place de l'interprétation, ou en tout cas tu accordes un privilège certain à la traduction, et là tu aurais sans doute beaucoup à dire. D'ailleurs, je parle juste après là du rôle de l'analyste qui, à sa manière, joue un rôle d'opérateur. Ça rejoint
permettant de faire passer dans un mouvement qui participe du transfert le hasard extérieur tel qu'il l'accueille. Ça va? Oui, c'est bon. Tu valides? Au hasard intérieur, donc, qu'il n'y a pas. Soit la causalité psychique singulière du sujet, et je t'invitais à en dire un peu plus, mais tu as anticipé, mais tu pourras reprendre très volontiers. Cette courte présentation du livre de Guy, qui mérite largement qu'on s'y reporte, voire qu'on en médite certains passages et certaines trouvailles, cette présentation, donc, ne saurait se clore, sans mettre l'accent sur l'actualité des questions ici abordées et traitées, notamment celle du jeu en tant qu'addiction, terme que Guy utilise assez peu, si tu l'utilises d'ailleurs, c'est plutôt médical, hein, enfin c'est bon, c'est, ça enferme un peu. Mais enfin, c'est ainsi que le discours courant en parle. Donc cette actualité où tu parles du jeu, mais aussi de la place du hasard dans notre société et du sort qu'elle lui réserve. Si la financiarisation de l'économie mondialisée a pu conduire à la comparer à un moment donné à un vaste casino, nous avons maintenant l'impression d'être entrés dans une société qui, à coup de questionnaires, réglementations, protocoles et procédures, quadrille, balise, en un mot, traque le hasard. Autrement dit, ce qui pourrait survenir qui n'a pas été prévu et donc a priori échappe au contrôle, à l'effort de standardisation déployé tous azimuts. Pour ton analyse du rapport du joueur au hasard et sa tentative indéfiniment répétée, réitérée de le maîtriser, pour la mise ou remise en jeu de cette question, donc merci Guy. L'évolution de notre société, tendant en effet à réduire autant que possible la marge du hasard, n'empêche pas bien entendu l'addiction à ce qu'on appelle précisément les jeux de hasard, et aussi, semble-t-il, un développement exponentiel des addictions, quel qu'en soit l'objet, fût-il le rien. Moi, j'ai pas parlé de ça. Hein. Non, mais je... Non, c'est... mais c'est pour dire que je ne connais pas. Non, c'est pour dire que c'est l'intérêt... Enfin, bon, ah oui, l'intérêt je trouve que... plus général, oui. Oui, je généralise. Oui, c'est-à-dire, oui. Je trouve que tu... Mais ça, c'est pas mon livre. Non, ouais, c'est non, c'est... je conclue d'accord. Sur... tout de même, il... Je pense que tu... Non, mais c'est ce développement, bien sûr, bien sûr. Mais ce n'est pas ce que j'ai voulu dire, moi. Moi, je parle de la méthode. Oui. Je ne parle pas de la société. Oui, mais enfin, ton livre peut interroger, nous amener à interroger cette question du hasard. Il faut l'interroger. On a l'impression qu'elle cherche... qu'on essaie de la réduire le plus possible. Hein? Ça, c'est vrai. Que quitte à déresponsabiliser le sujet. Hein? Donc, à tel point, donc je parle de ce développement exponentiel des addictions, l'addiction au jeu n'en étant qu'une parmi d'autres, à tel point que l'on peut se demander si le mode de l'addiction à quoi j'ai fait allusion un peu plus haut, à tel point que l'on peut se demander si le mode de l'addiction ne tend pas à devenir caractéristique du rapport à l'objet dans notre société. Ce sont des questions que je te pose aussi. À quoi l'objet addictif supplée-t-il? Où est-il censé suppléer? Cet objet drogue, cet objet magique, quelque peu magique, n'est-il pas empreint d'un certain rapport à la chose, une chose imaginarisée, aussi attractive que redoutable, par rapport à laquelle le sujet ne serait pas suffisamment séparé, tu insistes sur la question de la séparation, hein, et en réalité assujetti. Dans sa passion,
il serait non pas sujet, mais, pour reprendre une expression de Lacan, à sujet. L'enjeu serait alors de décoller le A, l'objet, du sujet. Et pour cela, sans doute ne faut-il pas moins que le temps d'une analyse. Bon. Mais écoute, merci de toute façon, parce que tu as lu, bien sûr, le livre. C'est vrai que ce livre, il est destiné à centrer le hasard chez Freud. Qu'est-ce qu'a voulu faire Freud avec le hasard? Parce que tu as remarqué que j'ai essayé avec les peintres, avec les mathématiciens, il y a d'autres champs dans lesquels le hasard intervient. Et le hasard a été traité dans chaque discipline de façon différente. Freud, lui, il utilise le hasard dans la méthode. Et c'est pour moi très important, et ce que peut-être tu peux passer à côté, mais il y a une phrase de Freud qui est fondamentale, qui est dans la Selbstdarstellung, la présentation de Freud par lui-même. À un moment donné, il dit, mais la pulsion de mort avec la pulsion de vie, ils sont à la fois synergiques et antagonistes. Et moi, je me suis servi de ce synergique et antagoniste pour le hasard. Le hasard qu'il y a et le hasard qu'il n'y a pas sont synergiques et antagonistes. Et c'est un moteur de la cure. Et c'est ça que je voulais faire passer, mais pas toujours adroitement, sans doute, de mon écriture. Mais c'est ça que je voulais faire passer, parce qu'il y a le transfert, la scansion des séances. Eh bien, il y a le jeu du hasard qu'il y a et le jeu du hasard qu'il n'y a pas, qui sont un moteur supplémentaire de l'analyse. Et ça, pour moi, c'est assez fondamental. Donc, voilà, l'idée, c'est qu'en lisant cette phrase, comme tout le monde en a pu dire ça dans la psychopathologie de la vie quotidienne, mais, eh ben, je tombe sur la phrase « je crois au hasard extérieur, mais je ne crois pas au hasard intérieur », je me dis oui, évidemment, il ne croit pas au hasard intérieur parce qu'il y a une causalité inconsciente. Donc le hasard intérieur, il ne peut pas y croire, sinon il n'y a plus de psychanalyse. Mais Freud, dans les causalités, et je te remercie de l'avoir cité, il y a la néothénie, donc l'immaturité, c'est une des causalités. Il y a la constitution, la force des pulsions, c'est une des causalités. Et par conséquent, et puis il y a un truc que, bon, généralement on passe à côté, mais je le cite, la génétique. Freud disait de Léonard de Vinci que c'est le hasard de la génétique qui a fait que c'est un génie. Il le dit noir sur blanc. Ce qui fait d'ailleurs que Pierre Aulagnier avait soulevé le problème en disant « Pourquoi tu vas très loin, Freud ?» Ben non, il concède, puisqu'il ne sait pas pourquoi c'est un génie, ben il concède qu'il y a une part peut-être génétique. Voilà. Donc les quatre causalités. Je pense que c'est très important parce que si on veut, enfin pour moi, l'analyse, il faut prendre en considération toute chose. Hein. Et ces quatre causalités ne jouent pas au même niveau tout le temps. Et pour la causalité inconsciente, qui est quand même la plus déterminante pour une expérience de l'analyse, c'est dommage que tu ne sois pas venu sur cette phrase « Gansthal ». À la fin, je parle de Gansthal. Pourquoi ? Parce que Gansthal, c'est ce qu'il dit à Fliess. Il est en train de faire des découvertes, il cherche, et il dit « Mais c'est fou, c'est tout fou ce que je découvre ». Et il y a un côté effervescent. Il prenait du plaisir à découvrir tout ça. Émerveillé. Hein, émerveillé. Et ça, c'est quand même quelque chose que nous essayons de faire passer aussi à nos patients. Tout n'est pas triste, tout n'est pas solennel, tout n'est pas grave. Il faut qu'il y ait aussi cette effervescence de l'inconscient. Donc ça, c'est à nous de le faire passer. Et c'est pour ça que je termine, je conclue sur le Gansthal. Parce que je pense que Freud était quelqu'un de très rigoureux sur la méthode, mais aussi il était prêt à partir de l'humour, soit dans des jeux de mots, soit dans des équivoques. Et quand tu as dit à juste titre qu'il y a des obstacles qu'on peut difficilement franchir, c'est quelque chose qui est dans le langage même. Ça, c'est Lacan qui nous l'a amené, c'est vrai. C'est Lacan qui nous l'a amené. Lacan, donc, nous permet de, en quelque sorte, baliser le terrain et de découvrir des impasses. Il y a des impasses qui sont que
bon, la relation d'un sujet à l'objet, tu l'as dit très bien, est en effet une façon de montrer justement qu'il y a un pas. C'est que, en fait, c'est selon la structure que le rapport à l'objet change, mais il n'est pas non plus n'importe lequel. Donc c'est une forme de contrainte due à la structure. Il n'y a pas que celle-là. Il y en a d'autres, il y a bien sûr le réel, ça on en parle toujours. Quand il n'y a pas de représentation, il y a du réel, et le réel est une façon de tomber sur une impasse. Donc c'est didactique. Le réel est didactique, il enseigne. Et toute cette traversée du langage est didactique, en fait. Et c'est pourquoi, il y a des histoires qui courent. Quand Lacan recevait certains analysants, il leur disait, mais quoi, vous voulez une analyse didactique? Il plaisantait, parce que pour Lacan, en fait, à l'Institut, oui, on faisait des analyses didactiques. Mais pour Lacan, toute analyse est une expérience. Et c'est par l'expérience que ça enseigne, enfin, ça fait bouger. Il faut donc insister, et pour moi, la question du hasard fait partie de l'expérience. Il faut donc que l'analyse soit une expérience. Et donc, c'est à nous de faire en sorte de repérer en quoi elle peut être une expérience. Sinon, ce n'est pas une psychothérapie, c'est autre chose. Bon, si c'est autre chose, c'est quoi? Eh bien, c'est en grande partie une expérience qui tient donc aux impasses dans le langage, qui tient, je pense, à la combinaison telle que ça se passe pour les pulsions de vie et les pulsions de mort, c'est-à-dire antagonisme et synergie, c'est une expérience tout à fait probante. C'est vraiment important, ils vont en sens inverse, c'est ça. Ils vont en sens inverse et en même temps, qu'il y a synergie. Hein. Et Freud n'a jamais dit qu'on devait réduire la pulsion de mort à zéro. Ça n'existe pas. Il y aura toujours de la pulsion de mort. Et il y aura les pulsions de vie. Donc c'est un jeu entre antagonisme et synergie, ça va avec. Alors bien sûr, la pulsion de mort, on essaie de la faire entendre. Alors justement, là, c'est un point très important, comment faire entendre à un sujet qu'il est aux prises avec la pulsion de mort? Ce qui arrive tous les jours, enfin ça arrive quoi. Or c'est pas évident, parce que si tu lui dis au patient, c'est la pulsion de mort, ça sert à rien ça. Bon. Puisqu'on ne peut pas expliquer les choses, ça n'est pas opérant. Il faut donc que, par un autre bord, on tente de montrer que, peut-être, et nous le savons parce que ce que pour l'acte analytique on découvre, c'est que pour l'analyste, toute jouissance est exclue. Donc c'est par la jouissance qu'on attrape la pulsion de mort. Oui, mais comment? Il faut encore que... Et c'est pour ça qu'il y a cette phrase de Freud. Freud dit, moi ce que j'aime dans l'analyse, il l'écrit à Louis-Andréa Salomé, j'aime c'est séparer et organiser. Sinon, tout retombe dans la bouillie originaire. Ça, c'est le réel dont tu parlais. Tout retombe dans la bouillie originaire, qui d'ailleurs, soit dit en passant, ressemble étrangement à la langue. Bon, mais c'est pas la langue, c'est la bouillie originaire. Mais donc, on peut, en fait, en tant qu'analyste, on doit pouvoir attraper des moments où ça retombe dans la bouillie originaire. Alors, ça n'y va pas comme dans des psychoses graves. Moi, c'est vrai que mon expérience de la psychiatrie m'a enseigné beaucoup pour l'analyse. Alors ça ne va pas sur des, disons, des extrêmes d'une désorganisation, des soubassements du langage, ça, évidemment, que là on est dans la bouillie originaire à fond. J'avais une patiente qui criait « Marlène boit du Théralène et se prend pour Paul Verlaine ». Bon, alors ça, c'était sympa, mais elle s'est fait exclure de l'ESAT dans lequel elle travaillait, parce que, madame, on ne chante pas quand on est dans l'ESAT. C'était une jouissance, à l'évidence, qu'elle ne pouvait pas réprimer. Mais ça, c'est des cas extrêmes. Mais ce qu'on entend dans les séances, eh bien, on peut l'entendre des moments de... Et puis, le patient l'entend lui-même. Il peut entendre à quel moment il est entraîné par une jouissance qu'il ne contrôle pas, et c'est la pulsion de mort. Donc à ce moment-là, peut-être qu'il y a des effets et qu'il peut dire stop. Et qu'il peut... Mais d'ailleurs, ce n'est pas seulement sur les addictions. Hein. C'est sur des tas de conduites et de comportements. Et c'est vrai que, par exemple, il n'y a pas si longtemps, je recevais quelqu'un qui avait été entraîné
enfin entraîné, il était sujet, il était auteur, mais il a été entraîné à finalement une paternité qu'il ne voulait pas. Bon. Mais sans doute qu'il y a aussi de la pulsion de mort là, parce qu'il n'est pas sujet, il a été entraîné en quelque sorte. Bon. Alors on peut dire, oui, c'est la force des pulsions, oui, c'est comme Anne Dufourmentel, notre regrettée Anne, que j'aimais beaucoup, et qui raconte comment, entre Orphée et Eurydice, Eurydice, bon, a été entraîné aux enfers par les dieux, mais qui laisse une chance à Orphée d'aller la chercher. Sauf qu'il ne faut pas qu'il se retourne. Oui, mais manque de chance, il se retourne. Et donc elle meurt. En la remontant des enfers, il la prend par la main. Oui, mais voilà. Eh bien, alors c'est quoi? C'est que... Hein? Parce qu'elle lui demande avec assistance. Oui, bien sûr. Mais il se retourne. Donc il fait jouer la pulsion au lieu de laisser la métaphore féminine jusqu'au bout. Parce que la femme représente la métaphore. Et l'homme, disons, dans ce cas-là, en tout cas, ça montre qu'il peut être pris par la pulsion. Et il se retourne. Oui. Bah, ça enseigne. C'est-à-dire que si, homme ou femme d'ailleurs, nous pouvons saisir à quel moment c'est la pulsion qui a fonctionné, bah, c'est pas loin de la pulsion de mort. Hein. Bon. Et ça, on peut le travailler. Bon. Mais c'est long. Et comme on ne peut pas le commenter, il faut que l'expérience agisse. Mais c'est pour ça que l'analyse est extrêmement difficile, si on veut la mener rigoureusement, et ne pas la mener en racontant ce que c'est. Parce que si vous expliquez à tout bout de champ ce qui y arrive, oui. Eh ben c'est foutu. Voilà, c'est pas une expérience. C'est ça que j'ai voulu montrer dans mon livre. Mais tu vois, c'est ça qui m'a intéressé. Et j'insiste aussi sur un point qui est tout à l'heure ce que je disais, c'est qu'il faut rapatrier la causalité. Parce que dès lors que tu te retrouves sur le sol du sujet, il n'y a pas d'explication venant par la projection que c'est la faute de l'autre. Ça, c'est très important parce que c'est assez long pour que quelqu'un se rende compte qu'il est en fait l'auteur de ce qui lui arrive et que c'est la personne qui est responsable. Ça c'est très important. Et il n'y a que l'analyse qui produit ça. Donne-moi quelle technique, il n'y en a pas. Il y a l'idée de cette introjection de la méthode. Parce que ça agit, en fait, ça agit de façon peut-être un peu souterraine. Mais le fait qu'on vienne une, deux fois par semaine, que tout ça, ce rythme-là, cette façon de venir bon, faire jouer les deux hasards, moi je crois beaucoup à ça, ça finit par rentrer dans l'individu sans qu'il s'en rende compte d'ailleurs. Bon. Et pourquoi on peut dire que la fin de l'analyse, c'est l'accueil de l'inattendu? Ah vous savez, il ne faut pas toucher ça. Pourquoi on peut dire ça? Parce que c'est ce que je crois vraiment. Une analyse, ça aboutit à supporter l'inattendu. Bon, et ben, c'est grâce au fait qu'il y a la combinaison des deux hasards. Oui, alors l'incertain, justement, les analystes rejoignent là, si on croit à cette évolution qui suppose de supporter l'incertain, les biologistes ne disent pas autre chose. Aujourd'hui, c'est la même chose, c'est le même discours, bon, par des voix totalement différentes. Mais je pense que nous avons intérêt à trouver des passerelles, là, même si les choses... Parce que toute rencontre est un peu incertaine. Ah bah oui, totalement incertaine. Totalement incertaine. Et donc le transfert n'est pas acquis, d'emblée. Loin de là. Mais ce n'est pas un hasard. Il faut un peu d'empathie quand même, hein, parce que je connais des collègues qui ne veulent pas céder à l'empathie, je regrette, mais moi je pense qu'il faut être accueillant, qu'il faut... Parce que pour moi, c'est l'hospitalité première qui est fondamentale. Si on accueille sans s'en faire trop des tonnes non plus, il ne s'agit pas de se vautrer à dire... Mais... Non, il faut que dans votre posture, vous ayez l'hospitalité chevillée à votre position. Et à ce moment-là, le patient va faire un transfert au sens que vous êtes
c'est pas parce que vous êtes supposé savoir, oui, vous êtes supposé savoir, mais c'est parce que vous avez justement cette hospitalité première qui lui permet à lui de parler. Parce qu'enfin, c'est quand même incroyable, il faut qu'il parle. Hein? Tout simplement. Tout simplement. Il faut qu'il parle. On lui donne la parole. Mais oui, c'est ça, tu as tout à fait raison, on lui donne la parole. C'était ce qu'on a bien vu en thérapie. Aussi, marché, oui. C'est oui, en thérapie. Ah oui, tout à fait. Leur donner la parole, c'est ça qui a touché les gens. Ah oui, ça, c'était excellent. Ouais. Il faut tout ça pour que s'enfonce. Oui, alors qu'ils arrivaient plutôt ronchons, enfin, en tout cas certains. Le reste introjecté la méthode, c'est qu'il faut accepter la règle de l'association libre, entre autres. Il faut accepter l'expérience. Ben c'est ça. C'est ça. C'est ça aussi. C'est quand même l'association libre qui va permettre aussi de laisser rentrer le hasard. Oui, tout à fait. Mais il faut que l'analyste permette l'expérience. Oui, en donnant la parole. En donnant la parole. Et en n'interprétant pas. Bien sûr. Plus vous interprétez, plus vous gâchez le. C'est comme si vous. Parce que dites ce qui vous vient par. Voilà. Dites ce qui vous vient. Voilà. Donc le fait de dire ce qui vous vient est un allié, le hasard est un allié de cette parole-là. Ça ne veut pas dire fondamentalement, parce que j'imagine bien que vous allez dire, ou pas vous forcément, que oui mais il dit ça parce que justement c'est pas par hasard qu'il le dit. Mais le problème c'est pas, il faut être phénoménologue au départ, ça vient. Et ça n'est pas parce qu'il y a une cause interne qui, certes, pourrait l'expliquer. Mais seulement, ça vient. C'est une expérience. Donc, il a l'expérience du fait qu'il peut dire ce qui lui vient. Et que ce qui lui passe par la tête. Ben, ça, c'est un allié du hasard. Mais c'est une expérience pour lui. Pour lui, bien sûr. Complètement pour lui. Et c'est toujours une expérience pour lui lorsqu'il se lève et qu'il se dit, tiens, mais pourquoi j'ai dit ça? Et là, il y a l'inconscient. Et disons, là où il n'y a pas de hasard, qui fonctionne aussi. Et je répète, l'association des deux hasards est un moteur. C'est un moteur de la cure. Parce que c'est synergique et antagoniste, comme Freud le dit pour la pulsion de mort et pulsion de vie. L'expérience de la folie est unique. Comme, enfin, pour nous, ça a été unique. Et puis j'ai eu la chance d'être l'interne de Rappard, qui vient de décéder d'ailleurs. Philippe Rappard. Oui, Philippe Rappard, il est décédé. Oui, la semaine dernière. Oui. Et Rappard, lui, avait très peur des patients. Je dis parce que il allait. Moi, j'étais dans un pavillon éloigné de. Donc c'était les glycines, c'est éloigné de Moreau de Tours. Donc, je raconte ça parce que par rapport à la peur. Et Rappard ne venait jamais seul, il venait avec son surveillant-chef, il venait éventuellement avec une ou deux infirmières, avec, voilà, tout le monde pour aller voir quelqu'un. Il n'avait pas tort, parce qu'un jour, il a reçu un coup de poing d'un patient qui, le jour où Concorde, le fameux avion, s'est posé aux Antilles. Il se trouve que le patient était un Guadeloupéen qui a très mal pris que le Concorde vienne jusqu'aux Antilles. Donc, il lui a pété le nez. Concorde, bon. Donc après, Rappard plaisantait, parce que c'était un type qui avait un humour extraordinaire. Donc il plaisantait sur son nez, qu'il avait le nez de Concorde, puisque forcément, seulement c'est un nez de Concorde sans alliance. C'était pas la Concorde. Et quand il est parti à la retraite, moi j'ai eu ce patient, à un moment donné, je peux difficilement raconter le travail qui s'est fait ensemble. Parce que j'avais déjà fait ma thèse sur la paranoïa. Et quand il y a paranoïa, disons que j'ai appris à faire. Voilà. Je peux éventuellement... Bon. Mais pourquoi? Parce que la paranoïa, c'est binaire. Et moi, je réfléchis beaucoup. Je ne sais pas où il est, Joe. Parce que je réfléchis, oui. Je réfléchis beaucoup à la perspective. Pourquoi? Parce que quand les peintres du 15e siècle débutent, invente la perspective, ils changent le binaire du face-à-face et ils ouvrent vers quelque chose qui est un nouveau lien social. Donc si on veut traiter la paranoïa, il faut s'inspirer
du Quattrocento et de l'invention de la perspective. Il faut inventer de la perspective avec les paranoïaques. Bon. Et moi, ça m'a toujours intéressé. Et je pense, d'ailleurs, c'est toujours vrai, parce que c'est pour ça que, bon, on avait trop l'habitude de faire du dehors-dedans, il rentre, il sort, il rentre, il sort. Ça, c'est binaire. Mais le secteur, c'est autre chose que ça. C'est d'autres perspectives. Mais nos gouvernements ne comprennent rien. Je veux dire, on est dans une situation d'une bêtise crasse par rapport à ce qu'on a comme outil unique. Bon, je parle de quelque chose qui n'a rien à voir avec mon livre, mais c'est à voir avec le premier livre. C'est le secteur. Le secteur, c'est une manne. Parce que si on sait l'utiliser, on peut faire mille choses. Et moi, c'est vrai, je suis... Bon, ma fierté, ça a été de créer le centre de crise qui s'appelle l'Inattendu. On revient au livre. Et il s'appelle l'Inattendu. Le directeur a commencé à me dire « Non, monsieur Dana, je n'appellerai pas ça l'Inattendu. » Il n'avait pas tort, parce qu'on pouvait penser que le patient qui arrive est inattendu. Il dit « Monsieur, mais ça, c'est la psychose, c'est qu'on colle au signifiant. » Je ne peux pas expliquer comme ça, moi. Et s'il se prend pour l'inattendu, il a vraiment sa place dans le centre de crise. Bon, et finalement, il a accepté le centre de crise d'inattendu, et ce centre fonctionne toujours, heureusement. Et c'est un lieu que j'aime beaucoup. Mais pour vous dire, c'est donc un lieu différent de l'hôpital, différent de l'hôpital général. Donc c'est d'autres perspectives. Et donc on est dans une socialité qui change complètement. Et c'est pas le binaire de dehors, dedans. Bon, mais je le dis aussi autrement dans ce bouquin-là. Hein, parce que je crois beaucoup qu'on peut aussi, en tant qu'analyste... faire valoir de la perspective avec nos patients. On peut le faire, bien sûr. Parce qu'il y a des angles qu'on peut prendre et qu'on n'a pas utilisés. Il ne faut pas rester figé. L'analyste, si c'est une expérience, c'est qu'il bouge aussi. Hein. Il faut qu'il bouge. Bon. Et il y a des personnes avec qui, manifestement, c'est le moment de bouger. Bon. Mais... Bon, c'est en cela que c'est passionnant, je trouve, notre métier. Moi, j'adore ce métier, et je pense vous aussi. Et pourquoi nous l'aimons, finalement? Pourquoi nous... Eh bien, interrogez-vous, pourquoi nous l'aimons? À cause de cette association des deux hasards. Il y a une interrogation sur l'inconscient, et il y a un accueil et une hospitalité qui sont la règle fondamentale. Et cette association des deux... Ben, c'est extraordinaire. Ça n'existe dans aucune autre discipline. C'est pas une technique, l'analyse. C'est pas la remédiation cognitive, ou c'est pas, je sais pas moi, une technique comportementale quelconque. Ça n'a rien à voir. C'est une expérience qui enseigne, après coup. Et donc, il faut que l'analyse soit suffisamment patient lui-même pour supporter que ça se passe, et que l'expérience soit opérante. Si on arrive à ça, on est, il y a un peu de joie. En ce sens, c'est quand même près de la méthode scientifique. Au fond, mais tout à fait. Puisque il y a l'expérience qui va tout à fait. Peut-être un résultat, mais à partir de l'expérience. Oui, je suis bien content que vous disiez ça. C'est en effet très proche de quelque chose de scientifique. Mmh. Ben, si, parce qu'il y a l'association des deux. Il y a le hasard qu'il n'y a pas et le hasard qu'il y a. C'est l'association des deux, sinon ça n'est plus l'expérience analytique. Et d'ailleurs, le hasard qu'il n'y a pas, c'est-à-dire donc il y a une cause, on ne sait jamais vraiment dire précisément, bon oui, on approche de la cause, on approche de cause inconsciente. Ben, tant un lapsus, un acte manqué, c'est des causes qui viennent de l'inconscient. Le rêve, ça vient de l'inconscient. Il y a des manifestations du hasard qu'il n'y a pas. Mais s'il n'y avait que le hasard qu'il n'y a pas, ça n'irait pas. Il y a une phrase, c'est une note de bas de page dans le moi et le ça. Et Freud dit, le but de l'analyse, c'est d'arriver en effet qu'un sujet puisse choisir pour ceci ou pour cela, qu'il puisse en quelque sorte avoir le choix et ne pas être... obsédé par le choix, parce que chez un obsessionnel avéré,
il ne pourra même pas choisir parce qu'il est obsédé par les deux options. Bon, et ça, on le voit tous les jours. Bon. Mais voyez, cette obsession du choix impossible, c'est la pulsion de mort. C'est ça. C'est ça qu'il faut désamorcer. Oui. Non, vous ne le voyez pas comme ça, mais c'est pour ça que, heureusement, autant d'analystes, autant de façons de faire. Mais vous savez que Freud a dit que si un jour on trouvait une façon de faire qui puisse satisfaire au traitement des psychoses, il serait preneur. Et en fait, il est donc à la recherche d'une façon de faire, et donc ça nous sollicite à tous de chercher. Et il le dit, je peux vous donner la référence, je pense pas qu'elle est dans mon premier livre, oui. En 1904, il dit ça. Parce qu'en fait, il n'était pas. On dit qu'il n'aimait pas trop les psychotiques. Ah oui, non, il ne les aimait pas. Hein? C'est pas qu'on dit, c'est lui. C'est lui qui le dit, oui. Oui, oui, non, mais il n'aimait pas, c'est vrai. Mais il constatait que la méthode analytique la plus classique, ça n'allait pas. Non, mais il avait constaté que sa méthode, qui est quand même inventée pour les névrosés, ne fonctionnait pas avec les patients psychotiques. Parce que l'association libre chez un patient psychotique, il délire. Bon. Et le hasard qu'il n'y a pas, il délire aussi d'ailleurs. Bon. Non, je pense que c'est très différent, mais quand même Freud a ouvert une porte en nous invitant à inventer une façon de faire avec les patients psychotiques. Ça, c'est quand même fondamental. Moi, je me suis dit, grâce à ton expérience en psychiatrie, ben, tu en étais arrivé à avoir une représentation, si on peut dire, assez claire de la pulsion de mort. Et je trouvais ça formidable d'avoir une idée claire de la pulsion de mort. Non, j'ai pas eu. Enfin, j'ai consacré quand même un chapitre entier. Je dis que elle est sans foi ni loi. Oui, et ah je ben commence c'est tout à fait ça. L'impression que j'ai eue. Et que justement, que arriver à tempérer la pulsion de mort, car il s'agit de ça, c'est éviter qu'elle soit sans foi ni loi. Parce qu'effectivement, elle devient une pulsion anarchiste et qui est très destructrice. Mais est-ce qu'on n'a pas l'impression, oui, à l'heure actuelle, d'être dans une société où le sans foi ni loi a un peu le champ libre, oui, c'est vrai. Hein, c'est ce psychotisme. Et la destructivité, elle est aussi à l'œuvre. Hein. Bah, toi, tu as dit le psychodrame, je trouve très juste. Hein, et parce qu'effectivement, et je t'ai fait la remarque que aujourd'hui, dans cette société qui évolue effectivement très vite, il y a de plus en plus de gens qui s'essayent à être comiques. Ils font des stand-up, ils font des. Et alors, bon, mon propre fils s'est lancé dans l'aventure. Bon, c'est pour dire qu'il y a quand même la recherche. Moi, je pense que c'est plutôt bon signe. C'est la recherche par la fantaisie, par le psychodrame, c'est du théâtre. Bon. Par des jeux de rôle, ça donne de l'air. Bon. Et c'est ça qui est important, parce que c'est une société, comme tu le dis, où ça manque d'air. Parce que, et puis, ou alors c'est des gens qui sont engoncés et qui n'arrivent pas à déplier l'imaginaire. Et donc on arrive à des trucs un peu quasi-psychotiques. Hein. Donc, on a de grandes difficultés avec la pratique avec eux, mais je trouve ton livre est intéressant, vraiment. J'invite Delia peut-être à ouais, voilà. Et donc, non, c'est très bien. Mais le problème, c'est que Ferenczi a quand même mis le doigt sur des choses fondamentales. Ah, oui. Et moi, je dois dire que chaque fois que je le lis, je trouve des idées très originales. Ah oui, très inventives. Et moi, c'est là que j'ai saisi l'envers de la projection. L'introjection, c'est lui hein, qui a inventé le mot. Hein. Il a inventé ce mot-là, il a inventé le mot. Oui, l'éveil aussi, c'est de lui. L'analysant, c'est de lui. Non, c'est un type extraordinaire. Alors, la langue, mais aussi la langue.
Oui. Mais en fait, confusion. Mais alors, la technique active, il faut s'entendre ce que ça veut dire. Je crois que ça a été mal compris aussi, parce que c'est pas du tout de laisser la voie libre aux pulsions ou à quelque chose comme ça. C'est pas ça du tout. Heureusement. C'est une réponse appropriée, mais qui bouge, qui est active. Mais c'est une réponse appropriée. Tout à fait. Voilà. Et moi, je ne sais pas si je t'avais raconté ou j'ai peut-être. Mais moi, j'ai fait un truc que jamais j'avais pensé faire. C'était une patiente qui venait, et puis on n'avait pas beaucoup de temps. Et je devais aller à l'époque au dispensaire. Ah ben, je lui ai dit, écoutez, venez avec moi, on continue à parler. Bon, on a parlé dans la voiture pendant une demi-heure, c'est très bien, ça rallonge la séance. Bon, hein ? Oui, je le faisais. Voilà. Et ben ensuite, elle a attendu dans la salle d'attente. Et d'ailleurs, j'avais un patient qui était vraiment difficile. Mais bon, elle a attendu. Pas de problème. Et je l'ai ramené. Bon. Et alors, du coup, je me suis demandé, évidemment, après coup, si c'était dans les règles. Ben non, c'est pas dans les règles. Mais parfois, il faut... Mais par contre, c'était approprié. Parce que c'était pour qu'elle continue à parler. Et elle en avait besoin. Donc c'est ça, donc c'est vous qui avez dit la parole, enfin c'est quand même le moteur de toute notre discipline, c'est que les gens puissent parler. Et en fin de compte, ils vont finir par parler en leur nom, ce qui n'est pas rien. Bon, la note est triste, mais peut-être faut-il s'arrêter. Ah non, mais... Oui,